Ah, c'est une équipe de professionnels incroyables. C'est l'émission la plus regardée de la télévision française. Non, et puis, c'est super, comment dire, c'est hyper bienveillant, on se marre bien. Mais c'est hyper bienveillant avec les artistes, moi j'ai bien aimé ça. Il y a eu des moments de rire, il y a eu aussi des moments d'émotion. Allez, on a beaucoup pleuré. Il y a une chanteuse qui t'a beaucoup ému. Oui, parce qu'elle a chanté ma chanson. On va regarder les images. C'est ça, non? Lucie, c'est moi, je sais. C'est la fatigue. Il y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de vous. Sans trop savoir pourquoi toujours regarder devant soi. Sans jamais baisser les bras, je sais. C'est pas le remède à tout. Mais faut se forcer parfois. Faut jamais se retourner en se disant que c'est dommage d'avoir passé l'âge. Lucie, ne t'encombre pas de souvenirs, de choses comme ça. Aucun regret ne vaut le coup pour qu'on le garde en nous. Mais c'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Oh. Bravo. 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 Rebecca, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Vous faire la vie. Bah oui. C'était très bizarre, j'étais à côté d'elle, j'avais la chair de poule. Même ici, on avait la chair. C'est incroyable. Bravo. Bonsoir Rebecca. J'étais à côté d'elle et je peux comprendre l'émotion de Pascal, parce que même moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui chante de si près de moi. Et j'étais presque mal à l'aise, tellement je tremblais. Le truc, c'est que quand on est dans l'émission, il y a aussi le fait que, bon, il y a la compétition, c'est... On est tendu pour eux aussi, on est tendu aussi parce que moi, en plus, c'était la première fois. Donc, il y a aussi une pression qui fait, quand tu le mets hors contexte, ça fait peut-être bizarre, mais c'est vrai qu'on est... Mais c'est pas honteux d'être ému. Non, pas du tout. Et je pense que ça doit être émouvant d'entendre une très belle voix.